La société Calderis, leader mondial dans le domaine du réfractaire monolithique, regroupe plus de 2000 salariés, 18 usines, 600 000 tonnes de capacité et fabrique plus de 1000 produits. Carlos Mateus, le responsable maintenance, recherchait un technicien adepte de la formation sur le terrain. Il a choisi l'alternance et le pôle formation. J'ai trouvé ça super intéressant parce que ça permettait d'avoir aussi la formation sur ses reins, donc bien connaître déjà l'établissement sur lequel il a accueilli et en fait se former sur des technologies dont il aurait des problèmes, des manques au niveau de la formation. Donc je trouvais ça super intéressant au niveau de l'approche. Très peu d'expérience sur le terrain, par contre, donc une bonne formation puisqu'il a un BTS en électrotechnique. Donc il fallait vraiment marier les deux. Donc il connaissait bien l'électrotechnique, par contre, il y avait des lacunes et moi je veux quelqu'un de très polyvalent. Donc ça permettait avec cette formation justement de le faire grandir sur les différentes, donc le pneumatique, l'hydraulique, donc l'automatisme, donc où il a appris là-bas, donc sur le centre. Et voilà, et moi je le formais sur le terrain pour qu'il connaisse l'usine. Donc c'est quelqu'un de très polyvalent. Donc c'est vraiment le résultat que j'attendais. Pierre-François Fallon a préparé un CQP technicien de maintenance industrielle en contrat de professionnalisation au pôle formation des industries technologiques. Il a su répondre aux besoins de son tuteur. Leur collaboration à l'unisson est une vraie réussite. Cerise sur le gâteau, depuis le jour de sa certification, Pierre-François Fallon a signé son contrat à durée indéterminée. Perso, j'ai toujours fait un cursus normal, justement, pas en alternance. Et c'est qu'après, quand je suis rentré dans l'entreprise, par rapport à l'école, c'est pas du tout pareil quand même. C'est vraiment autre chose. Le terrain, c'est vraiment très différent de ce qu'on apprend au lycée. Donc personnellement, je regrette même de ne pas avoir fait ça plus tôt, de faire ça en alternance. Si j'aurais su, j'aurais fait mon BTS en alternance. Et oui, c'est vraiment, ça montre vraiment l'utilité de ce qu'on apprend à l'école. Par exemple, les maths ou même la physique appliquée. Quand tu fais ça sur papier, qu'en cours, tu vois pas forcément ce que ça apporte de plus. Mais après, c'est sur le terrain que tu vois vraiment les choses.